tout en vous saluant. Je ne peux pas commencer mon propos sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer au nom du combat, de vous remercier d'avoir disposé de votre temps pour répondre à l'invitation envoyée en dépit de vos agendas chargés. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question cruciale qui touche non seulement notre parti, mais aussi l'ensemble de notre nation. La crise structurelle actuelle au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. L'UDPS, comme vous le savez, est le parti génitaire de plusieurs regroupements et des partis politiques dont le Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT en cycle et le fils aîné avec 5 autres regroupements et 29 partis politiques de mosaïque UDPS. Il serait donc incongru pour les RDT de rester indifférents face à la situation qui prévaut à l'UDPS. Car si au regard d'une certaine sagesse africaine, on ne fête pas lorsque ça brûle chez le voisin. Alors, a fortiori, qu'en serait-il lorsqu'il s'agira de votre propre case dans laquelle vous êtes né et à plus forte raison, le parti du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de file de tous les tshisekedistes. L'UDPS n'est pas simplement un parti politique, mais elle est indubitablement un patrimoine national. Tout citoyen congolais a le devoir de s'impliquer lorsque l'existence, la vie de cette maison commune, UDPS, est menacée. Imaginez un seul instant qu'un citoyen congolais d'origine naturalisée américain, belge ou zambien, pour une raison ou une autre, celui-ci n'a-t-il pas le devoir et le droit de s'associer de la RDC, son pays? De la même manière, un enfant devenu majeur ou émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale? Et Sika Bakunda Mutolu Naye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical au géniteur, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'UDPS n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. De la même manière, l'émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale? Et si Kabakunda Mutolunaye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical au géniteur, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. C'est dans cette optique que, mû par le souci de ne pas être observateur de l'écroulement de notre cher et grand parti, refusant de tuer encore par la déliquescence de ce parti pour lequel l'un de ses honorés géniteurs, j'ai cité le héros national et père de la démocratie, docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba de mémoire, a payé de son sang et dont toute indifférence à cette situation, ça pas l'intérêt à cracher sur sa mémoire. Dans le souci de ne pas cracher non plus sur le mémoire des martyrs de l'UDPS et d'autres compatriotes qui ont versé leur sang dans les combats pour l'avènement de la démocratie, et aussi rendre hommage aux pères fondateurs de l'UDPS et à ceux qui ont payé de leur martyr à travers les arrestations et autres brimades. Au nom de mes compagnons ici présents, épris d'amour et de soucis permanents de la survie de ce patrimoine national, que nous avons tenu à tirer cette sonnette d'alarme. La crise structurelle qui traverse l'UDPS aujourd'hui est une importante capitale, car pour nous, il ne s'agit pas seulement des intérêts internes du parti, mais de l'avenir de notre démocratie et de notre pays. C'est pourquoi il est impératif que nous, en tant que membres de la famille tshisekédiste, initions et proposons la résolution de cette crise. Nous sommes donc condamnés à œuvrer ensemble, à trouver des solutions adéquates et durables qui permettront à l'UDPS de surmonter cette épreuve et de continuer à jouer son rôle de leader dans la promotion de la démocratie et du progrès social en République démocratique du Congo. En résumé, et pour clore cette introduction, nous voulons affirmer que notre implication n'est pas seulement un devoir moral, mais une nécessité et une obligation pour le bien-être de la nation. À tous les membres de l'UDPS, à tous les partis mosaïques de l'UDPS et à tous les tshisekédistes mondiaux, nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse, nous allons essayer de remonter à la genèse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la genèse de la crise, l'Union pour la démocratie et le progrès social a lutté pendant des décennies pour l'avènement de la démocratie et l'instauration de l'état de droit en République démocratique du Congo. Cela impliquait notamment le respect de textes légaux et réglementaires qui régissaient tout État qui se veut moderne et démocratique. Cependant, au cours des dernières années, ce parti a accusé une faiblesse en violant par moments ses propres statuts. La prévoyance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoyant son indisponibilité à la tête du parti, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille de sa prestation de serment en tant que président de la République, a pris des mesures pour rendre effective cette disposition statutaire. C'est ainsi qu'il avait nommé le membre de la Convention démocratique du parti, complétant ainsi les triumvirats nécessaires pour l'intérim. Cette initiative visait à assurer que toutes les structures requises par les statuts du parti étaient en place. La dérive est la violation de textes. Malheureusement, ceux qui devraient appliquer, respecter et faire respecter ces textes ont agi autrement. Plusieurs décisions prises par la Convention démocratique nationale CDP ou la Commission de discipline pour sanctionner les cadres du parti auteurs de cette violation de statut illustrent bien mes propos. Nous pouvons brandir quelques-unes de ces dérives. Convention démocratique du parti. La résolution numéro 03 du 29 janvier 2022 portant élévation d'un secrétaire général du parti. M. Kabuya Augustin était élevé par une décision de la Convention démocratique comme secrétaire général. La décision est là. Ce n'est pas le président de la République qui l'avait investi, parce que le président avait déjà investi la CDP avant qu'il ne prête serment. Avant qu'il ne prête serment. Et c'est la Convention démocratique du parti, dans sa 4e convention, qui a chassé Kaboum pour le même fait et élevé un secrétaire général adjoint, Moïseya, après 5 secrétaires généraux qui étaient passés au gouvernement, au rang de secrétaire général, afin de remplir les vides constatés au triumvirat, afin d'installer Jacquemain Shabani, d'installer Wangwenda et de l'installer lui sur le bas de cette décision, afin de compléter le mécanisme de gestion de l'intérim du parti après l'événement de l'élection du chef du parti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce document a été violenté après qu'il est passé secrétaire général, il a neutralisé et la Convention démocratique qu'il avait investie et la CEP et tous les secteurs nationaux. Les convention démocratique du parti, notification des sanctions disciplinaires. Ici, la CDP avait pris des sanctions contre M. Banouseya Augustin, Nakweti Florentin, Moulumba Kalonji Emmanuel, Tinebu Mukuta François-Xavier, Kabuya Tshilumba Augustin. Ils étaient sanctionnés par la Convention démocratique pour avoir tenté de débaucher pour neutraliser la CDP ou la dédoubler, afin de neutraliser tout le monde. Ça n'a jamais été d'application. Nous avons la décision de la Convention démocratique portant la déchéance de M. Augustin Banouseya, qui avait voulu dédoubler Monsieur le Président de la CDP, Wangwenda, pour avoir une autre convention démocratique. Donc un secrétaire général qui détruit les statuts de parti par la non-observance de texte. Je vous brandis les décisions. Cette décision ici l'excluons. Quand la convention démocratique exclut, lui il les récupère, il les pompe, il les soutient, il les donne l'énergie. De la même manière, Jacquemain Shabani était aussi écarté en créant un Seya, le grand frère de l'autre Aboukan Seya Gedeon, pour dédoubler Jacquemain Shabani en créant une autre Seya. Oui, bien, bien. Toutes les décisions sont ici. La déchéance de M. Yves Florentin, destitué comme membre de la CDP par la CDP, mais récupéré pour créer une autre CDP par le secrétaire général. Lui, ça doit partir. La décision excluant le président et membre de la commission des disciplines. Afin de neutraliser notre commission des disciplines, Monsieur Emmanuel Moulumba Kalonji, membre de la commission des disciplines, écarté et débauché pour créer une autre commission des disciplines en dehors de la CDP avec notre papa Wangwenda. La décision est là, qui n'a jamais été appliquée. Protégée par le même secrétaire général. Je parle avec de preuves. Vous avez la décision, la CDP, la résolution 001 UDPS CDP, 4e session extraordinaire. Portant exclusion de Kabound à l'UDPS. Cette décision a été adoptée, exécutée parce que ça lui profitait, afin de prendre le vide juridique. Elle est là, la décision de la même convention a exclu Kabound. Elle est là, même convention. La résolution 002 du même parti portant exclusion de la même personne à l'Assemblée nationale, pour qu'il quitte l'Assemblée nationale afin de laisser ça aux membres de l'UDPS. Cette décision était exécutée, parce que Mbat avait pris le poste. La décision, la résolution 004, UDPS CDP, 4e session, du 20 janvier 2022, instituant la commission réparation et réconciliation, CRR ainsi. La convention démocratique du parti avait pris une décision de mettre une structure qui va mettre de l'ordre, réconcilier tous les fils du parti ensemble, se pardonner pour être fort afin d'aller aux élections de 2023 pour avoir une majorité parlementaire. Les messieurs n'ont jamais appliqué cette décision. Cette décision a été foulée aux pieds par la même personne. Augustin Kabuya. La décision de monsieur lui-même est là. Décision 003 IDP-CDP 4e session. Portant élévation d'un secrétaire général du parti. On a exécuté ça parce que c'était son avantage. Son avantage, oui. On est ramené à un secrétaire général. Ce n'est pas le président de la République qui l'a fait secrétaire général, c'est la convention démocratique. Parce que le président avait laissé toutes les structures normales pour que ça puisse évoluer démocratiquement. En tant que frappé par l'article 96 de la Constitution. Donc, c'est la Félix Tshisekedi Likambo te asala ki musala na ye ya kobongisa nyonso etali l'égalité ya ba ya parti. Mais bato oyo atikaki ne bato oyo bapebisi ba résolution nyonso na brandi bino ya yango. À titre illustratif, en complétant ce que je viens de brandir, le congrès attendu 30 jours après n'a jamais eu lieu. Les décisions du parti sont prises par une seule personne, le secrétaire général, au lieu d'être le fruit d'une gouvernance collégiale comme prévu par l'article 26 de nos statuts. Les dysfonctionnements du parti, les dysfonctionnements internes de l'UDPS a eu des conséquences graves et inquiétantes, affaiblissant non seulement le parti, mais détruisant également son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples et incalculables. Un parti paralysé, le mépris des compagnons de lutte, la personnalisation et la concentration excessive de pouvoir dans les mains d'une seule personne et la prise de décision de manière unilatérale, sans consultation ni en collaboration avec les autres membres et organes du parti, sont autant de mots qui ont engendré une paralysie complète du parti et rongent son fonctionnement et son envergure chaque jour. Cette situation a entraîné une désorganisation et une inefficacité générale, affectant gravement la capacité du parti à fonctionner de manière cohérente et démocratique. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, conséquence de cette crise pour les partis, les dysfonctionnements internes de l'UDPS a eu des conséquences graves, affaiblissant non seulement le parti, mais aussi tenir son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples. Perte de confiance et de cohésion, l'incapacité à tenir des réunions régulières, à consulter les membres, à respecter les processus démocratiques internes, à créer une crise de confiance au sein du parti et parmi ses alliés. Les antivaleurs ont trouvé refuge au sein d'un parti qui, paradoxalement, avait fait de la lutte contre les fléaux minant la société congolaise son cheval de bataille. Cet état de choses a contraint bon nombre de combattants, tout en demeurant dans leur cher parti UDPS, à se désintéresser de ses activités. Plus de participation aux réunions, à la base, dans les cellules et dans les sections. Infiltration des opportunistes. Dans ces désordres organisés, le clientélisme, le népotisme ont élu domicile au sein du parti. Des opportunistes et situationnistes, hier des détracteurs patentés de l'UDPS, du feu président du parti et de l'autorité des référents devenus anges parce que président de la République aujourd'hui. Se sont taillés et se taillent encore la part du lion en accédant à certains postes et mandats revenant à l'UDPS au détriment, voulais dire, des alliants droits. Faut-il souligner que, inconnus dans les rangs de l'UDPS, ces profiteurs ne connaissent même pas, même pendant leur exercice, leur fonction, ni l'hymne du parti, ni un seul slogan du parti qui sont les leitmotifs qui allument et maintiennent la flamme du parti et des combattants lors d'un engagement combattant. Il y a lieu ici de se poser la question sur la responsabilité managériale de leurs recruteurs. Des hommes politiques, souvent sans lien avec les valeurs et l'histoire de l'UDPS, ont pris des positions de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, moboutistes et kabylistes, nommés à des postes de responsabilité. Cette situation, valeurs et l'histoire de l'UDPS ont pris des positions de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, mobutistes et kabylistes, nommés à des postes de responsabilité. Cette situation a créé des frustrations profondes parmi les vétérans de l'UDPS qui ont sacrifié leur vie des décennies durant pour la lutte démocratique. Menace à l'intégrité et à la stabilité politique de l'UDPS. Le non-respect des statuts et l'usurpation de pouvoir ont affaibli la structure interne du parti, engendrant des divisions et une méfiance croissante parmi le monde. Ce manque de respect pour les règles établies menace non seulement l'intégrité du parti, mais aussi la stabilité politique qu'il a longtemps cherché à promouvoir. Répercussions à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, cela se traduit par un affaiblissement continu du parti et un désordre généralisé. Vous le vivez aujourd'hui, de pneus brûlés de Kassangourou à Mwanda, de Kasoumalesa à Lubumbashi, du Kassi Kolesi, dans le Kassai, et partout ici à Kinshasa. À moyen terme, cette situation prête le front aux adversaires et aux supposés alliés du parti qui peuvent exploiter ses faiblesses pour leurs propres avantages. Ce qui est déjà fait, nos adversaires politiques qui sont nos alliés aujourd'hui sont en train de boutiquer des stratégies pour récupérer le pouvoir après 2028. À long terme, les conséquences pourront être la disparition pure et simple de l'UDPS et l'effacement de la mémoire collective, aussi l'ignorance par la postérité du rôle joué par les précurseurs et pères de la démocratie en RDC. Cela éroderait l'image du chef de l'État, autorité de référence du parti dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. Les acquis obtenus grâce au combat noble d'Étienne Tshisekedi seront enterrés et le parti perdra toute sa crédibilité. Opportunité manquée. Être au pouvoir représentait une opportunité unique pour l'UDPS de renforcer et de se transformer en un parti encore plus grand et plus influent que lorsqu'il était dans l'opposition. Malheureusement, cette opportunité a été gaspillée en raison de la mauvaise gestion interne et du manque de respect pour les statuts du parti et des combattants. Je répète, l'ancien secrétaire général avait enlevé l'étole à la maison UDPS et le nouveau remplaçant a voulu détruire sa fondation. Maire et Kenge va combattant est stoppé. Soki ozako atake na ozako atake moko chamboka. Moko chamboka tindio osala kabilo kwa bisala sala. Moko chamboka tindio otrete ba komata lokola ba baungu. Moko chamboka tindio oyamba balie 250 alliés otrete bango lokola bana mike professeur d'université ya ba parti extra parlementaire lokola bana mike na yo ozofinga bango indirectement. Sans qu'on lui rende compte aux autres filles par professeur, là va ton école. Les nôtres sous qui s'y est. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, piste des solutions à la crise au sein de l'UDPS. Pour assurer sa survie, et retrouver sa grandeur, l'UDPS doit prendre des mesures immédiates et concrètes en urgence. La mise en place d'une cellule de crise est cruciale pour redresser la situation. Cette cellule doit être composée des 5 fondateurs du parti encore en vie, Mamad Kassalou et nos pères, les restants des célèbres 13 parlementaires, Tia Okem, Paul Kapita, Lusanangele et Portelungu Maloba. Des délégués de certaines entités centrales et de base, formelles ou informelles, du parti. des organes centraux, pionniers, Ligue de femmes et Ligue de jeunes, Parlement Debout, Force du progrès, etc. Dans cette cellule, la mission de cette cellule est d'une durée de 30 jours, comprendra 3 volets principaux comme mission. La première mission, le rétablissement d'une gouvernance collégiale et démocratique. Deuxième mission, cadre de réconciliation et d'unité. Et troisième mission, convocation d'un congrès extraordinaire en urgence. La première mission de la cellule de crise est de rétablir une gouvernance collégiale et démocratique au sein de l'UDPS, respectueuse de ses valeurs et de son histoire. Donc répondre à la philosophie de l'UDPS qui est caractérisée par la philosophie d'Étienne Tshisekedi, la culture des textes et le respect de la légalité. Cela implique la décentralisation du pouvoir, éviter la concentration du pouvoir dans le main d'un seul individu, en redonnant aux organes centraux et locaux leur rôle décisionnel et d'initiative démocratique. Le respect des statuts, assurer que toutes les actions et décisions se conforment strictement aux statuts du parti. La transparence, mettre en place des mécanismes de transparence pour toutes les décisions importantes, garantissant ainsi la confiance de membres. Cadre de conciliation et d'unité. Deuxième point. La deuxième mission est de constituer un cadre de réconciliation et d'unité au sein du parti pour affronter les échéances futures de manière plus unie et plus forte. Cela nécessite un diagnostic inclusif, organiser des discussions ouvertes avec tous les membres du parti, incluant toutes les sensibilités pour comprendre et résoudre les frustrations et les divisions. Une médiation. Utiliser la médiation pour résoudre les conflits internes et favoriser la cohésion. La valorisation des sacrifices. Rendre hommage aux martyrs de l'UDPS et aux héros de la lutte pour l'accession du parti à la magistrature suprême, dont la force du progrès et tous les avant-gardistes. En même temps, reconnaître et honorer les combattants qui ont combattu depuis la première heure, tout en encourageant les nouveaux adhérents de manière respectueuse. La convocation d'un congrès extraordinaire. Enfin, la cellule de crise doit aider la convocation d'un congrès extraordinaire pour initier une réforme profonde et un retour strict au respect des statuts du parti, dont l'objectif de la révision de statuts, réviser et si nécessaire amender les statuts pour les adapter aux défis actuels tout en respectant les principes fondateurs. L'élection d'une nouvelle direction du parti, élever le président Félix Tshisekedi au rang de président du parti, les désigner autorités de référence et élire une nouvelle direction politique du parti conformément au texte. La planification des stratégies. Développer une stratégie claire pour les futures échéances politiques en s'assurant que le parti est préparé et uni. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, avant de clore mon propos de ce jour, je tiens à adresser mes plus vifs encouragements à tous ceux qui ont eu le courage de dénoncer l'arbitraire instauré au sein de notre parti. Par son secrétaire général, premier responsable de cette crise, dont la gravité des fautes mérite la saisine de la commission d'audit et de la commission de discipline du parti. Et les cas échéants, devant la justice en cas de détournement ou d'usage abusif des fonds du parti. Votre encouragement et votre détermination à défendre les valeurs fondatrices de l'UDPS sont exemplaires. Je salue particulièrement la déclaration politique du 11 juillet 2024 de la présidence de l'UDPS Tshisekedi portant retrait de confiance placée à la personne d'Augustin Kabuya Tshilumba en sa qualité de secrétaire général du parti, par les secrétaires nationaux, membres de l'exécutif national de l'UDPS. Votre désaveu du secrétaire général rencontre la volonté de la majorité des combattants. Continuez à vous battre pour la justice et la démocratie au sein de l'UDPS. Seule la lutte libère. Nous lançons aussi un vibrant hommage à tous les compagnons de la liberté qui ont défendu les textes depuis la mort du frère Étienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire. Je cite tous les combattants de la force du progrès, où je fais hommage à Jacquemain, à Mukato, à Seba, à Kinshasa, à Depostone, à tout le monde qui se sont joints à nous pour défendre la vérité et bien dire la vérité. Ici présent, je profite pour rendre le même hommage à notre président de la Ligue de jeunes, de l'UDPS et de la Je profite pour rendre hommage à notre président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et président national de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée pour la nation pour son courage. Je n'oublierai pas de citer personnellement un des secrétaires généraux qui ne nous avait pas compris en son temps mais qui a fini par nous comprendre. Et je demande à la salle d'applaudir pour le courage du docteur Eteni Lomo. Nous n'allons pas nous en passer sans citer Papa Wangwenda de tous les sacrifices qu'il a eu faire pendant le combat de la légalité. Je souhaite également exprimer mon soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et au commandant suprême des armées pour leur engagement dans la guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays par de puissances prédatrices de nos richesses. Votre bravoure et votre dévouement pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre nation sont une source de fierté pour tous les Congolais. Nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons dans cette lutte et prions chaque jour pour que l'Éternel Dieu vous assiste. Enfin, je vais rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairvoyance et sa vision en dotant l'UDPS de ses organes vitaux avant sa prestation de serment en qualité de président élu de la République démocratique du Congo. Il a démontré son engagement avec notre parti et ses principes. Cette initiative a permis de maintenir une certaine stabilité au sein de l'UDPS, en dépit de l'appui de sa confiance par celui qui attendait une gestion responsable du parti, auteur de turbulences actuelles, le CG en partance. Nous devons continuer à soutenir sa vision et son leadership pour un avenir meilleur. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la crise actuelle au sein de l'UDPS est un appel et une situation qui doit interpeller toute bonne conscience, qui appelle en urgence la réforme et la restauration des principes démocratiques et des statuts fondateurs du parti. Sans ces changements, l'UDPS risque de continuer à s'enfoncer dans la crise. Pour entretenir cet espoir encore tenu par les membres, les sympathisants et les alliés de l'UDPS, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut réparer et corriger. L'UDPS a besoin d'un leadership exemplaire et d'un management responsable et urgent. Seule la lutte du libère, Tshilombo, l'UDPS a vaincu. la CDP. Accepter la liste des candidats à la CDP. Trancher des questions non statutaires. Tout ce qui ne sont pas prévus dans les textes, ce n'est pas un secrétaire général. C'est la Convention démocratique. Connaissant que la Convention démocratique avait des pouvoirs exorbitants, il fallait le neutraliser. Et il a réussi, avec son ancien secrétaire général, à neutraliser la Convention démocratique. Je me rappelle, en 2019, nous allions installer la CDP, la CEP avec Jacquemain Shabani et M. Kabound pour lancer l'ouverture du triumvirat. Nous étions frappés à mort des balles. Quand le général nous avait suivi jusqu'à la résidence du fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous tiraient dessus en posant même des actes immoraux dans la parcelle de notre manteau. Jacquemain Shabani, quand il a pris le pouvoir au niveau du ministère, il connaît que ces généraux-là ont été manipulés par certains cadres de l'UDPS. Il a dit pas question d'appeler encore les généraux pour venir intervenir quand la base vient attaquer. Voilà. Ça, c'est la première question. Voilà. Il y a 33 signatures de secrétaires nationaux. Il n'y a pas que des secrétaires nationaux qui l'ont désavoué. Il est déjà désavoué par ses propres collègues députés nationaux. Je vous informe, vous attendrez dans les heures qui suivent, ou les jours qui suivent, la déclaration des députés nationaux, des mosaïques UDPS ainsi que des UDPS. Et Lomo qui a fait la lettre de 10 pages, n'est-il pas un député national? Maintenant, le secrétaire national adjoint, au nombre de 30, ils ont signé en mettant leur numéro de téléphone afin d'éviter de dire que non, Babaki, ses signatures et à l'Okuta, venez retirer les signatures. Quand vous l'appelez au téléphone, il te dit j'ai signé en âme et conscience, il doit partir. Et ils ont décrit les griefs qui lui reprochent les affaires ici, vous le savez pertinemment bien comme moi. Il lui reproche beaucoup de mots. Et ces mots riment aux antivaleurs. Et lesquels antivaleurs ne peuvent pas être acceptés au sein de l'UDPS. Bien parlé. Et comme ils l'ont désavoué, cela veut dire que la personne est restée seule et ne peut plus convoquer une réunion de la présidence du parti ou du secrétaire national de l'UDPS. Si le chef garde encore sa confiance sur l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Il ne s'agit pas ici de la confiance du chef. Ici, il s'agit de la volonté populaire. Il ne s'agit pas, dis-je, de la confiance du président, mais il s'agit de la volonté populaire de toute la base de l'UDPS. La décision, la structure informelle de l'UDPS, nous sommes tous unanimes, c'est le départ de Kabuya pour que l'ordre structurel revienne dans l'UDPS. Donc, les lots, Kabuya, Kabuya, l'UDPS, viva, viva. Aboukan ou bien Aboukan Azali Susula et Nikamouya Koloba parce que Bakolo Tonga va s'aller. Je crois que Ndenge Tolobi, Koma Oyo, Ezali a individu mon côté. Koma Oyo, Ezali a combattu mon côté. Koma Oyo, valeur na biso. Ba valeur na biso Oyo. Ba ndeko na biso, ba salir yango. Valeur Oyo, parce que tobundaki bakombatant bakufaki UDPS viva viva bandeko likambo eza mosema lelo il faut interpeller biso nyonso tozongisamaka nisi oyo eza exercice démocratique oyo eza mosema na UDPS bakokosa bato que l'Union soit un côté pour la dénoncer gestion Yamake qui a s'attaquer la chef de l'État. Non. Ce qui se fait aujourd'hui, ce que a fait le docteur Eteni, ce que fait aujourd'hui Masusu et Zali, répétition, copie conforme, il y a acte Oyo, 13 parlementaires, Kozaki, OMMI que les démocratie contre Amboka, une défense existait. C'était quoi? Écrire légalement et dans le respect de la loi. Que je demande à l'assistance d'applaudir. Je tiens ici à remercier en tout cas les docteurs pour l'invitation. Et pour ce qui me concerne, je tiens à rappeler à tous les jeunes du parti que nos valeurs comme social-démocratie sont la liberté, l'égalité et la solidarité. Les institutions demeurent, les hommes passent. À l'UDPS, Tshisekedi ne nous a pas appris de faire des hommes forts. Il faut plutôt construire des institutions fortes.